Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter la raquette à neige Approche de TSL. Donc c'est un modèle qui convient pour un usage occasionnel ou pour les randonneurs débutants. Alors je vous rappelle qu'elles existent toujours en deux tailles. Ici on a la 305 et il y a également la 325. Donc 305 jusqu'à 1,70 m et la 325 au-delà qui va être un peu plus longue et un peu plus large. Alors, en ce qui concerne l'accroche, on est sur un châssis standard avec 6 pointes acier. Donc là, elles sont protégées par des petits capuchons en plastique. 6 pointes acier et une griffe à l'avant. Autre élément intéressant, on a une cale de montée qui va permettre de garder le pied relativement à plat dans les montées. Par contre, c'est une cale qui est à poser manuellement. Donc ça veut dire que si on a un peu de neige autour, éventuellement il faut gratter un petit peu la neige. Donc sur des modèles, donc ça permet de garder le pied à plat. Sur des modèles supérieurs, on a des cales automatiques qu'on peut déclencher avec le bâton. Donc un peu plus facile à mettre en œuvre. Ensuite, côté réglage, donc on a un réglage qui est assez simple. Il va falloir régler une fois pour toutes la pointure. D'une façon assez simple, ça, la crémaillère glisse. Ensuite, on a un réglage par sangle de l'avant du pied. Là aussi, facile à mettre en œuvre. Et un réglage par crémaillère sur le coup de pied. Voilà, donc une crémaillère qu'on va glisser et actionner ensuite comme ça pour la serrer. Donc je vous disais que c'est un modèle qui est plutôt destiné aux débutants ou à la pratique occasionnelle parce qu'on a des modèles qui vont être plus intéressants, en particulier le modèle au-dessus qui est l'Escape Easy qui va avoir une meilleure accroche dans les dévers notamment et qui va avoir la cale de montée automatique dont je vous parlais, des systèmes de réglage également plus ergonomiques. Donc si je résume, le modèle Approche, ça va être bien pour une pratique occasionnelle et pas trop engagée. Et puis si vous avez une pratique plus régulière ou sur des terrains un peu plus difficiles, ça peut être intéressant de passer sur le modèle au-dessus qui est l'Escape Easy. Voilà, ce sont des modèles que vous allez trouver également en différents coloris sur le site rayonrando.com.